Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. On peut suivre le focus de l'MBC qui est consacré ce soir à l'économie mauricienne, surtout d'un sillage contre les consultations prébudgétaires, afin de faire démarrer au ministère des Finances. Le ministre des Finances, fin des adjoint les syndicalistes, les entrepreneurs, les éleveurs, les planteurs. Et aussi dans l'actualité, euh, ces derniers jours, il y a le rapport du FMI qui peut un faux rebond de l'économie mauricienne, et n'a aussi le rapport de Moody's qui ne fait que ce outil, qui ne cause pas une perspective intéressante pour l'économie mauricienne, et que là, l'émission ce soir, économie mauricienne, reprise et opportunité, ça vous permet tout. Vous connaissez comment la reprise pour bénéfique à un investisseur, à un entrepreneur, à un jeune surtout qui peut nous ce soir, et que si tout, à la population mauricienne. Dans son ensemble et qu'avant de nous prendre une discussion sur le plateau, mon de nous guette un reportage l'Orban drapeau FMI Moody's et surtout Democracy Index qui vient fixoti après nous pour le découvrir nous ce soir. Le FMI, Fonds Monétaire International, a bouclé ce mission consultation à Maurice au titre de l'article 4 de 2024. Ce de conclusion finira en public vendredi 23 février comme suit. Tout d'abord, l'année dernière, l'économie Maurice finit fautement rebondi après la pandémie de Covid-19 avec une croissance rapide 6,9%. La pression inflationniste fin diminuée avec une inflation annuelle 7% et que le risque orienté orienté à la baisse. Le secteur privé mauricien Pédier prend bonne note de cette évaluation-là. Rapport IMF, l'article 4, il y a une étape importante pour les investisseurs et pour tous les autres décideurs à l'international qui peuvent assister la performance de Maurice. Après ce banc de consultation, dont avec le secteur public et privé, notamment avec Business Mauritius, AMF peut dire que l'économie mauricienne, il ne rebondit en 2023 et il ne dépasse ce niveau pré-pandémie. Sa croissance-là, elle peut continuer avec tourisme, construction publique-privée, le transport et le services financiers. AMF lui aussi peut faire ressortir qu'il y a un certain risque et qu'il y a un travail l'oban réserve et la stabilité macroéconomique, entre autres. Pour la communauté des affaires, l'appétit banal investisseur l'ILA et nous devons suivre attentivement le contexte international dans lequel nos ban exploitation l'épanne, euh, mais notamment, c'est une année que de la croissance banale continue. En tant que recommandation Brice, FMI FMIP appel à la poursuite des ben, réformes structurelles, au maintien de la stabilité financière, à l'assainissement budgétaire favorable à la croissance, à la réduction l'inadéquation entre l'offre et la demande, le marché du travail, à la promotion de la numérisation et qu à la mise en place d'infrastructures ben, infrastructure qui résiliente à climat. Ces élément éléments-là, selon le rapport, sont essentiels pour soutenir un investissement privé, promouvoir la diversification économique et maintenir le dynamisme de croissance qui finit en termes par l'économie mauricienne. Banking System Outlook de l'agence notation de Moody's lie d'une perspective positive pour l'économie mauricienne. Rapport la maintenir note de B a à A3 pour nous pays. Apporte performance remarquable du secteur tourisme. Les autres, tels que services financiers et TIC peuvent continuer le bon lancé. Il y a beaucoup de secteurs qui en grande reprise. Un des bons secteurs très important c'est le secteur du tourisme qui directement et indirectement les capables jusqu'à jusqu'à 20% ou même plus de l'économie, les faire qui énorme un poussé économique assez important et même les devises qui viennent dans le pays. Ça les montrait aussi, d'une certaine perspective, que euh, Maurice il y a une certaine résilience. Et le secteur financier, dans le rapport aussi, je euh, fait ressortir que Maurice a les 40 recommandations. Et important aussi, il y a beaucoup de nouveaux la loi, assez complexe du secteur financier qui amène plus de solidité dans le secteur financier et dans l'économie en général. Point manquant de Sarapola, là la bonne performance du secteur bancaire de Maurice avec reprise économique post-Covid. L'île Maurice, le monde entier finit par se dans une période bien difficile avec Covid. Et on faut bien dire que, heureusement, le secteur bancaire, il réussit, traverse sa période-là avec le soutien du gouvernement et aussi avec cette prudence générale. Et Sarapola là donc, il vient maintenir nos notes, comme un centre d'investissement avec un investment grade, un centre financier, et lui aussi maintenir nos outlooks comme étant stable. Donc nous accueillons ce rapport-là avec beaucoup de satisfaction, mais il vient ouais. montrer qu'effectivement nous avons un centre financier très stable et très résilient. En attendant parution de prochain rapport Moody's au mois de juillet, ça l'année là, une perspective économique pour Maurice reste sauveur Sa l'édition Democracy Index, là, examine l'état démocratie mondial en 2023 et qui donne un aperçu de l'état démocratie dans 165 états indépendants et des territoires. Maurice fait partie de sa t groupe 23 pays qui qualifié comme une démocratie complète. Maurice gagne N place par rapport à l'année dernière et prend 20e position dans sa classement mondial, là, devant la France ou encore l'Espagne. Maurice est d'ailleurs seul pays africain. Qui est qualifié comme une démocratie complète. Pour arriver à un score global 8,14, il mesure différentes valeurs processus électoral et pluralisme, fonctionnement gouvernement, participation dans la vie politique, culture politique et liberté civile. Vous pouvez suivre le focus de la MBC qui est consacré ce soir à l'école mauricienne, reprise et que vous l'opportunité et que nous débattre sur le thème, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités dans le studio de la MBC ce soir. D'abord, Ken Pounousami, le CEO Edibi Morichos, et puis nous avons aussi Dipak Benidine, syndicaliste. Et finalement, nous avons un économiste sur le plateau, Dr Bavish Jagarnath. Messieurs, bienvenue à la MBC. Merci. Première question, Ken Pounousami, quand nous nous le reportage, nous trouvez d'abord, et là le FMI qui peut causer un faux rebond de l'économie mauricienne après la pandémie de Covid-19, et où au niveau Ediby mauricien, comment vous trouvez l'économie mauricienne fait une rétablie après la pandémie de Covid-19 Effectivement, Abdel. Donc euh, par rapport à Covid, c'est un choc qui est sans précédent. Euh, en 2020, nous avons une contraction de l'économie mauricienne d'environ 14,5 et face à les mesures que le gouvernement met en place pour stabiliser l'économie, pour faire de sorte à ce que ban entreprises ne pas fermées, et comment le reportage a montré, le secteur touristique, euh, qui est un gros composant de <coughs> du UDP, donc avec ban fermeture frontières, euh, l'inamène à ce qui une menace à la décroissance. Et le secteur touristique malgré ce poids, il est environ 8,5%, mais quand nous guettons l'effet direct, indirect, catalytique et induit du secteur, il contribue au-delà de 20%. Donc, ce qui fait que ça choc là, c'est quand même très violent pour nous, pour l'économie maurice. Et la réponse, c'est qu'il nous devons préserver l'emploi. nous besoin, de nous besoin de faire de sorte à ce que le business qu'il a, donc surtout dans l'hôtellerie, ne soit pas fermé. Donc, c'est vraiment une mesure différentes mesures, par exemple le wage assistance scheme, le self-employed assistance scheme, mais différentes mesures par rapport à MIC, qui stabilise aussi l'entreprise, entreprise, qui nous permettent à ce qui nous capables de nous faire réouverture, nous stabilise l'économie. En 2021, la croissance économique de 3,4%, grâce à des mesures de soutien que le gouvernement met en place par rapport à la préservation de l'emploi, par rapport à tout le business, mais aussi le climat des affaires aussi. Et en 2022, nous gagnons une croissance de 8,9 Et 2023, c'est 7,1 d'après les chiffres de Statistics Motors. Ce qui fait que pendant la crise et après, nous avons tous un rebond là. assez spectaculaire. Et nous avons dit aussi au niveau nominal, que ce soit au niveau de l'investissement, donc Private Investment, FDI, Public Sector Investment continuer à croître. Donc, nous disons qu'aujourd'hui l'économie se porte bien, une euh, bonne fondamentaux économiques, que ce soit au niveau de l'inflation, que, euh, euh, que ce soit au niveau de GDP lui-même, que ce soit au niveau de l'investissement ou l'exportation, c'est un ben, euh, chiffre qui est quand même euh, important pour nous. Euh, juste euh, par rapport à l'exportation, nous trouvons un certain euh, déclin, disons par rapport Uh, ben, l'année précédente un petit, petit détérioration mais cela pas pas dire qui a un l'impact mais nous besoin de rester donc moi je vous dire qu'au au niveau de l'économie c'est un rebond comment tout bon instance internationale très fort très solide très robuste et il permet à ce que l'économie les résiste dernier point qui m'ont aussi envie de dire aussi c'est que l'économie aujourd'hui la base économique c'est bien diversifié ces différents secteurs qui contribuent à nos produits intérieurs bruts. et pendant la crise nous trouvons qu'il deux secteurs, le secteur des TIC et le secteur financier, qui sont quand même très résilients face à la crise et ça secteur là c'est vecteur de croissance. Et docteur Pavish Jakonat nous l'écoute qu'une cause un rebond spectaculaire de l'économie comme le FMI aussi fin d'ailleurs une cause une fondamentale économique fondamentaux économiques qui est apparemment dans le vert Comment l'économie mauricienne fait-elle renverser la tendance après une période difficile quelques années de cela avec la COVID-19? Pourquoi M. Ken fait C'était une année 2019 que nous avons une croissance, une décroissance, nous 14%. Effectivement, avec bah, un chiffre, nous, nous avons une récit montée, nous remontée un peu à, à 3%, 8%. Effectivement, nous sommes environ à 8%. Donc, c'est un, un très euh, bon rebond. Et d'ailleurs, comment on a le reportage là? Il y a pas mal d'agences internationales, euh, y compris dernier rapport de FMI. Il y a le rapport aussi de Moody's, mais aussi dans le rapport de S&P Global qui peut montrer une info euh, rebond. Donc là-dedans, nous avons les mesures que euh, le gouvernement il prend pendant ces euh, trois dernières années pour ce fruit. Euh, premièrement, nous avons pouvoir dire, premier, c'est sur l'industrie euh, touristique, que maintenant, nous est presque arrivé à 1.3 millions. Et nous attendre avec un rapport euh, des gens internationaux qui peut montrer, est capable d'aller au-delà du de ça. Donc ça, définitivement, il amène un grand plus pour l'économie. N'empêche que euh, si nous fait référence avec ça deux rapports de SN, euh, SNP euh, et aussi euh, de FMI, nous trouvons que le secteur construction aussi, il amène pas mal une fin de rebond. Il, il contribue beaucoup euh, sur le, euh, le rebond. Troisième, c'est le secteur euh, financier et le TIC qui ont contribué euh, à ça. Nous avons ici illustré que il le Global euh, Business euh, Sector a énormément contribué aux services financiers. C'est-à-dire que euh, nous, l'économie, que réussi à résilier à sa COVID-là. Juste pour illustrer le, le GBC, le euh, ben Global Business Company, comme on peut amener, les, pays, les pays presque contribuent, presque euh, à 8%, à 9%, et nous avons atteint un, un rebond, d'après ben, le rapport, là qui ça pour contribuer encore euh, dans le, dans le service financier. Maintenant, euh, si nous guettons bien avec ce rebond-là, de façon nous parler, nous dans le rapport qu'il nous trouvaient, euh, surtout de SNP, nous attendre que le déficit budgétaire aussi, avec ce rebond-là, qu'il peut diminuer. Nous sommes presque, presque 8 Mais là, nous trouvons euh, le rapport de SP global, l'optimiste, qui ne peut pas réduire jusqu'à 4 si euh, effectivement l'économie internationale se porte comme telle. Ici, nous parce en euh, entre-temps, avec le COVID, nous avons euh, l'invasion de l'Ukraine, la Russie, et maintenant, nous avons aussi le Gaza avec une bande d'électricité. Si tout porte bien, nous sommes capables de trouver qui pour ça rebond-là, capables d'être être plus positifs euh, pour 2024 et 2025 avec le déficit budgétaire. Et en dernier lieu, je mentionne euh, le rapport de World Bank qui, aussi, maintenant, peut montrer que, probablement, quand nous utilisons déjà un high income, Country euh, dans, dans les années euh, 2020 avec euh, 2 740 dollars par tête et là nous presque arrive à 2 700 donc si sa tendance la maintenir avec sa bande rebond là ne capable retrouve nous à euh, Maurice car retrouve euh, ce high income country peut-être d'ici l'année prochaine ou l'année ensuite donc ça peut montrer que effectivement pour répondre aux questions que ça rebond là c'est un indicateur macroéconomique qui contribue énormément. Et l'avenir, ce qu'il ne peut trouver si tout porte bien, pour penser les prometteurs. D'après Benidine, l'avenir prometteur, Dr. Jack Arnott au niveau de la classe travaillée, je ne pense même pas une situation difficile avec la COVID-19, mais quand même, comme on peut dire, c'est une mesure le Wage Assistance Scheme qui permet de travailler au travers la crise. Et aujourd'hui, avec la reprise, ou qui regarde au côté de la situation. Bon, moi aussi, c'est qui, moi, entièrement d'accord, parce que nous passons un moment extrêmement difficile, c'est toute la classe travailleuse qui, qui est employée directement dans le secteur public ou le secteur privé, également, Ban Self Employed, donc tiennent l'étape bien hors de l'histoire du monde entier, y compris Maurice. Donc, quand le gouvernement finit à la rescousse de tous les bon travailleurs, finit à gagner donc, même moi-même, j'ai eu de l'assistance, on vous nous trouvez. Donc, ça fait une aide, garde le moral. Haut. Donc, vous pensez que ça fait une contribution vous qui production, après la pandémie, nous trouve Maurice Redibout, et production continue de monter, bien sûr, il une contribution travailleuse pour qui nous saute dans la gouffre là, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. pour avez quand nous trouvons le gros pp monter, tout ça-là, bien sûr la contribution de euh, travailleuse Bien sûr, quand nous cause 2023, nous avons get, nous le drapeau euh, FMI, la Banque mondiale, etc. Nous trouvons que nous paye, maintenant, nous nous sortis dans sa difficile, là. Nous de cette situation difficile-là. Nous pouvons d'un nouveaux nouveau qui, quand vous comprenez, nous, si vous comprenez nous, avec les pays européens, vous trouvez que Maurice fait beaucoup mieux. Bien sûr, si nous continuons dans le continent de l'Afrique, nous avons nous, nous des ben pays qui sont qui plus émergents. Et qui peut dire le ease of doing business, Libon perspective peut monter. Ça veut dire que quand construction peut monter, le travailleur peut continuer à travail, l'industrie touristique peut, peut développer. Ça veut dire que nous avons N.3, plus que nos populations, N.3 millions de 3, euh, touristes. touristes, vin, million, touristes vin donc, ça veut dire que c'est un signe positif. Et quand nous, nous trouvons ça signe-là donné par le ministre finance donc nous on encourageons parce que le ministre des Finances je me rappelle avant même qu'il ait fermé la banque mondiale, causé d'essayer de que l'économie peut refaire et donne nous l'espoir qui, bien sûr, pour une contribution équitable, pour une cause high-income économie, peut-être allons-nous avoir vingt lots à ça, degré comme high-income économie, comment peut distribuer ça comme là, ça qui est important. Donc, nous connaît qui nous peut gagner 4 plus en général, mais qui va travailler peut gagner, mais au bas des selles. Doucement, doucement, nous pouvons trouver que nous pourrons une logique que même ça réchauffe devant travailler qui qui tire beaucoup Il peut diminuer. peut-être tellement qu'a donné le CIF qui réchaud qui était en 2010 aujourd'hui en 2023 c'est tout dans fonction publique on mais avec le salaire minimal réchaud peut diminuer diminuer Et donc payant une, une situation équitable pour la classe travailleuse en général donc nous comptons. parce que si la classe travailleuse est content donc pays là pour prospérer tout le monde peut gagner sur le port du gâteau. Donc, mon ça, est bien essentiel. Et là, comme on dit dans l'introduction, le coup d'envoi des consultations pré-budgétaires finit de démarrer depuis mardi 27 février 2024 à 13h30 au siège du ministère des Finances à l'hôtel du gouvernement avec le ministre Ringanaden Pedelachi. Comme on peut trouver à l'écran, il a choisi un syndicaliste pour démarrer cet l'exercice-là et que pratiquement tout l'instance syndical du pays est représenté à la réunion qui y comprend aussi au cadre de ce ministère et que les consultations peuvent continuer prochainement le ministre des finances euh, l'IPO, pour euh, plusieurs les opérateurs société civile man ONG et l'exercice de consultation prébudgétaire pour terminer vers le début d'avril 2015 donc euh, la machinerie en marche pour la présentation du budget 2024-2025 et dans quel contexte le ministre des Finances peut présenter le budget Mais C'est dans un contexte où, bien sûr, ben, comme on dit, le ben, fondamentaux économiques est positifs. Donc, ce qui est important maintenant, c'est accélérer la croissance, créer plus de résilience. Et on a quand même, eh, nous a souligné, les ben, headwinds, comme on appelle ça, euh, au niveau de l'Europe. Donc, nous trouvons qu'il y a ben, qui market, hein, que ce soit au niveau de la Grande-Bretagne ou même l'Allemagne dans une période de récession, et, et ça, qui est capable aussi d'impacter. Mais n'empêche, nous dire qu'il y a quand même une certaine manche de manœuvre par rapport au budget et les revenu au niveau taxes, ont augmenté l'année dernière pour 21%. Et nous pensons nous que le gouvernement a quand même suffisamment de marge de manœuvre pour capable faire une, une perspective de budget qui quand même en même temps donne plus de support euh, pour la croissance soutenue, mais aussi y dans ben, différents initiatives qui nous prendre, notamment nous trouver avec le changement climatique, ben, différents défis qui nous besoin faire face. Donc euh, la transition énergétique est fondamentale, est nécessaire pour Maurice pour qu'il nous capable de continuer d'un développement soutenu. Et nous besoin dire aussi qui euh, par rapport à Uh, bah, différents secteurs, bah, différents vecteurs de croissance. Euh, il est important que tous ces secteurs-là, aujourd'hui, nous avons bah, un encadrement. Nous avons beaucoup de secteurs émergents aussi, que ce soit au niveau de la biotechnologie, que ce soit au niveau du de, euh, secteur des TIC même, mais aussi dans l'agro-industrie, que nous bah, une perspective de croissance. Donc, moi, vous pensez que euh, c'est un contexte positif, mais bien sûr, il y a bah, un headwind, qui ne vous a pas oublié, au niveau de l'Europe. Et, et ça aussi euh, dans, la, dans la politique de diversification donc comment est-ce qu'ils nous soutenir nous ban exploitation en sachant qu'il nous ban marché principal en Europe pour possiblement en dans une période de récession donc diversification vers le Moyen-Orient diversification vers l'Afrique et nous trouvons ben, un chiffre qui quand même euh, publié récemment et a une croissance euh, au niveau de la région par exemple Mayotte nous, nous trouvons une ben, exploitation augmentée Mozambique, Zambie, euh, même le Kenya. Donc, tout ça, c'est une perspective que nous diversifiée, et sans compter au niveau de l'Inde et, et la Chine. Dr. Pavish Djagarnat, il y a un bonne marge de manœuvre pour le ministre des Finances avec la présentation du budget. Ou en tant qu'économiste, comment vous situez le, le contexte dans lequel vous présente le budget et ce qui vous partage à l'opinion par rapport à ce marge de manœuvre? Définitivement, mon partage, comme on une dit au début de l'émission, que la ben, perspective est positive. Et si nous guettons un maintenant, euh, moi, mon opinion personnelle, si nous trouvons le dernier budget que le ministre avait présenté, c'est notre trois piliers. C'était Strengthening the Foundation of our Economy, uh, Continuing the Transformation of Mauritius, Building the Future We Deserve. Je pense que là, nous presque uh, arrive uh, le target. Mais moi, je pense maintenant, là que nous situons-nous nous, avec sa perspective économique. Là, moi, je pense que maintenant, c'est plutôt un peu uh, fostering », un peu restoring » the la confiance qui est déjà là, avec sa perspective positive. là Parce que sa perspective positive, là, nous sommes capables d'atteindre un investisseur maintenant pour une, une, une confidence uh, qui est capable d'investir. Uh, I nous mean, a beaucoup de uh, foreign direct investment, comme on dit. Et aussi, ce qui est important, c'est euh, maintenant de penser que maintenant les ingrédients sont là pour ban structural reforms qui nous dit Donc, ban structural reforms-là euh, il y a pas mal euh, de, 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 ben, euh, de leçons à tirer avec le Covid. Euh, par exemple, comment moi me euh, le secteur agriculture, ne trouver pas mal de réformes qui mettait l'année dernière, et il représente presque 3,7 euh, du PIB. Et avant COVID, il presque, ou même avant COVID, il presque 6%. Vous pensez, là, c'est une, une priorité qui ne peut qu'à ce secteur-là. Avec euh, ben, l'épisode avec COVID, c'est vraiment ben, le côté self-sufficiency. Donc, moi, vous pensez, avec les ben, mesures que nous avons trouvées dans, dans le dernier budget, les deux derniers budgets, par exemple, comme, ben, Smart Agriculture, Sheltered Farming. Vous penser que c'est un secteur que, euh, les prometteurs, qui est prometteur qui ne capable à de l'avant avec ça. Et deuxième, nous avons, comme on peut dire euh, au début c'est le secteur financier qui contribue à peu près 15 000 euh, emplois, 15 000 euh, professionnels dans ce secteur là, d'une cause' le euh, global business sector qui qui peut faire très bien. Et maintenant qu'on a une perspective euh, dans l'Afrique surtout, et qu'on nous maintenant un peu comment, dans l'Europe, Angleterre en récession. Donc c'est un peu la diversification qui nous vient euh, dans ce secteur-là. Et ici, là nous nous cause beaucoup euh, l'urban secteur comment fintech nous cause beaucoup euh, dans ce secteur-là. Le FinTech Hub, mais là, je pense que c'est une situation idéale maintenant pour promouvoir ça. Nous trouvons dans un dernier développement que euh, ti, ti, euh, le gouvernement met ça en base pilote le euh, ben, ben projet comme FinTech uh, rouper depuis l'année. Il uh, est une réalité. Maintenant, si nous continuons uh, dans, dans sa voie, là, je pense que le rapport FMI-India à uh, uh, la digitalisation, c'est un secteur qui nous peut venir. Mais nous besoin d'aller un peu plus là-dedans. Que maintenant nous pouvons trouver euh, nous presque à part avec nos ben, compétiteurs directs en Afrique, c'est vraiment la diversification avec le euh, marché africain, tel que euh, maintenant nous pouvons smart agriculture, l'intelligence artificielle, un peu comment l'Asie, Singapour peut faire, ça c'est un ben, secteur émergent. Parce que si nous ne pas oublier euh, et non le 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 le, le pari qui nous faut dire, c'est le côté unemployment, il peut diminuer. Le target euh, est d'ici presque 7%. Et là-dedans, pays arrive presque euh, à l'emploi, commence reprend ce fond et probablement euh, un emploiment peut diminuer. Euh, elle est capable de 25%. Mais ici, probablement, avec sa mismatch qui ne peut causé là, surtout le côté youth unemployment, me pensez que ça, c'est un secteur que euh, nous capables capable d'encourager nos jeunes à rentrer, tel que le secteur Artificial Intelligence, nous cause aussi, euh, le secteur. Uh, le Metaverse, que ça, c'est un secteur qui uh, okay. est prometteur. Donc, uh, moi, je pensais si nous uh, allons dans cette direction-là, et me pensais nous sommes capables de uh, faire une croissance de 8%, même à 10%. Et du que Bénédine, aussi présent dans la réunion de consultation budgétaire avec le ministre des Finances, peut-être à travers une réunion avec le ministre des Finances qui retenu par rapport à ce message qui est adresse syndicaliste bon, ça veut dire dans son introduction, il nous donne, il nous donne un tableau bien prospéré. Ça veut dire nous, nous trouvons un avenir bien clair pour Maurice. Donc, euh, ce qui est qu nous trouvé, nous des années en années, l'île Maurice peut faire progrès. Ça veut dire, il peut aussi et non acquérir, il paraît dans son discussion en nous, il peut aussi acquérir le salaire minimal pour travailler. Donc, les trains causé, les camarades Point, dans non, mais nous avons besoin vivre avec un salaire minimal dans ce pays-là pour pouvoir faire tout le monde vivre au moins capable de gagner sur les de base. Donc, l'espoir qui de nous, c'est que, d'année en année, le pays peut progresser, mais ce fruit là ce peut également, c'est-à-dire un peu plus équitable, dans le passé, comme c'était parce qu'il est en nous guette, par exemple, en 2012, 5%, top 5% de c'est Moun, tu gagner un cinquième revenu. On nous cause le salaire, nous payons un paye high comme économie, oui, mais c'est le plus gros morceau pour Banji qui est là-haut. Et en 2001 encore, nous avons 20 nos réchots. nous réchauds, nous réchauds, tu à N. Ça veut dire, banjimun Moun là-haut, tu peux 20 fois plus si au bas des salles. Mm. Aujourd'hui, ça peut diminuer. nous connaissons dans le secteur public d'un rapport au PIA Billing points et là, avec ce salaire minimal-là, nous prenons, bien sûr, prenons un ajustement au salaire minimal. c'est qui, bon, prenons un ajustement. pas uh dispons de camarades au bas de celle pour qui puissent gagner 18 005. Maintenant, prenons un réajustement en <On> mars même. Nous prenons un réassistement tout particulièrement. Vous <sociales> m'entendez ce thème, <sure> relativité. Oui, réajustement salarial. Je vous explique ça. Oui, ça vient une relativité parce que, bon, on explique ça dans la fonction publique, c'est bien simple pour nous parce la fonctions publiques, c'est un dimoune, ratio, il y une cause ratio de liste, 7 points, donc il y a, a une master salary scale, donc au pas de bout de une master salary scale, si ça travaillait au bas de celle-là, c'est-à-dire qu'il so, commence par, par tel, tel chiffre, il peut gagner, donc son camarade, il a 2 points avant, après lui, donc il peut gagner 2 points après lui. Si il peut gagner 500 ou plus, donc il peut décaler, il est facile d'avoir une master salary scale là, pour nous gagner sa relativité-là, donc il n'est pas possible si vous so, avez, par exemple, un camarade ce so salaire est de 15 000 et le salaire minimal, ce so camarade est so de uh, 18 005, Donc, le, là, il pour sentir, comme on une en Donc, le temps ça là pour venir pour le secteur privé et le ministre du Travail également a fait clé à l'eau là. Bientôt, ça veut dire en mars, nous avons en mars, ça la même, nous pourrions nous pour un rapport qui pourrait pour dire qu'il y a un réaliment pour tous les bon camarades du secteur privé et pour tous les bon camarades du secteur public ça, il peut faire un feel good factor dans Maurice, qui est là, nous qu'à dire, nous peut rendre de high income économie. Il ne faut pas oublier qu'il peut arriver un exode de bande travailleurs, tout grade confondu. Nous avons dit, nous pouvons dire ce qu'il met de masse, mais dans le monde de ça, nous trouvons tout travailleur confondi, aller à l'étranger, parce qu'ils ont pu attirer par un salaire plus haut. Donc, si l'île Maurice est investit là-dedans, d'ailleurs, nous, quand nous nous bien c'est pas une proposition qui... Et qui nous fait et qui nous casse à l'écoute, si la santé, vous trouvez dire que le gouvernement peut suivre, par exemple, le cancer, mais nous disons que nous disons qu'il besoin a besoin un follow-up de toutes les mesures qui, qui nous peuvent dire. Et si nous rentrons dans la logique de choses, nous pouvons trouver que le gouvernement est à l'écoute, donc il est capable d'investir dans le training. Là, l'état nous guetter nous peut cause ce qu'il met, l'état nous guette le taux de sommeil, l'état nous guette sa pourcentage de ban qui est Ça veut dire, comment nous pouvons employer les autres Parce que nous aussi, nous avons une commission de training euh, dans M. Lébert. Et dans nos nous trouvons 55% de ban dans le taux de chômage, qui représente 26,800 ,26 800 dans NSI. Donc, l'État trouve ça, ça, taux de Dimoun qui est pénible qualification. Donc, il y a un problème extraordinaire parce qu'il y a des nous peut dire, li, 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 entre guillemets, il est de là, comment vous mettez-vous au morceau du travail? Donc, ça, c'est qui, qui, le quand nous trouve, le ministre de l'Éducation, il et a un dans l'éducation. IVTB, et, MIT, Ivec, etc., il y qui peut venir. Maintenant, il I.V.T.B. a Maintenant, on connaît qui y a un projet Bien sûr, il y des autres choses qui, qui nous ont discuté. Il peut prendre soin. Il qui tirent le ciel à tous, qui n'ont pas de formation, les autres viennent sans emploi, ils ne pas employables, ils viennent sans emploi. C'est ça même, les ben enfants, qui malheureusement, sont pas capables de venir en délinquant, ils causent un problème de société. Donc, quand nous proposons un emploi, nous pensons que le gouvernement pour deal avec ce problème d'emploi, pour nous permettre like, de remettre le ban là, comme nous dit, dans le morceau du travail, dans les training, trainings, retraînez-nous, dans les autres des d'hétérocycles, pour être capable au moins lire, pour dimé. 640 d'amorcer du travail parce que pour moi, l'éclair net qui nous n'en a travail nous n'en avons travail dans le pays, mais nous n'avons pas été capables de faire travail à cause de l'expérience ou de la formation. Donc, ça euh, c'est important pour nous faire dire pour qu'il nous a un avenir meilleur. Donc, l'émission consacrée à l'économie mauricienne, et il y a pourtant, nous écoutons aussi le message du ministre des Finances, Rengadaden padayachi et que là, nous fait une recueille, ce message, pendant la conférence sur la finance durable qui est organisée par Edibi Mauritius et que la Banque de Maurice à Flick en flac quelques jours de cela, c'est-à-dire le 26 février dernier. À nous écoute la déclaration du ministre Padayachi. Après, nous pourrons prendre une discussion. Maintenir une croissance du PIB robuste en plaçant la résilience au cœur processus de prise de décision et la stratégie de ce gouvernement qui se veut pragmatique et progressiste. Nous tenir aux côtés de la population mauricienne a été notre credo depuis notre prise de fonction et cela continuera de l'être. Non seulement car nous sommes convaincus que plus de résilience aboutit à plus de croissance, mais aussi car les instances internationales Donne raison à cette stratégie. La croissance du PIB réel a atteint 8,9% en 2022 grâce à la reprise du tourisme et de l'industrie manufacturière et continue que la, croissance, la rapide croissance s'est maintenue en 2023. Les perspectives de croissance restent favorables en 2024 sous l'effet de la construction avec l'accélération des grands projets de logements sociaux et de transports. Public et de la reprise du tourisme à des niveaux pré-pandémiques. Au niveau de mon ministère, nous tablons sur une croissance de 6,5% pour l'année 2024 et le maintien d'un cap de croissance autour des 5% pour les années qui suivent. À cela continuera de s'adosser notre stratégie de consolidation fiscale. La dette publique, aujourd'hui à 79%, du PIB continuera sa trajectoire descendante avec pour objectif à terme de descendre sous la barre des 60%. Le chômage fera de même grâce aux politiques de l'emploi mises en place par ce gouvernement en vue de soutenir la participation des publics vulnérables sur le marché du travail tels que les jeunes, les femmes. Et les personnes en situation de handicap. Le chômage, évalué à 6,3% en septembre 2023, est au niveau le plus bas des 25 dernières années. Une fois encore, notre attention pour les plus vulnérables a engendré des résultats escomptés, c'est-à-dire plus de croissance et plus de progrès pour tous. À cet égard, permettez-moi de reprendre. Les conclusions de l'étude de Swan Securities indiquant qu'à la faveur de la politique de soutien et de redistribution du gouvernement, les faibles revenus concernant 141 700 personnes à Maurice, soit 20, plus de 20 des travailleurs, bénéficieront cette année d'une hausse de 42,5 de leur salaire. Ce sont donc 700 millions d'euros supplémentaires en salaire mensuel que porteront la consommation et donc la croissance vers le haut. Je suis fier d'appartenir à un gouvernement dont les principes humanistes se reflètent parfaitement dans chacune de nos actions et performances. C'était le discours du ministre des Finances euh, quelques jours de cela. Et là, Ken Poulousami, le ministre des Finances, il mentionne plus de croissance, plus de progrès pour tous. Et là, au niveau Édipo-Mauritius, c'est une grosse responsabilité, surtout par rapport à un secteur émergent, un nouveau secteur dans le cadre politique, diversification, l'économie. Comment tout cela peut être mis en place Effectivement, donc euh, nous trouvons que euh, l'investissement 2023, il atteignent 142 milliards, donc une croissance de plus de 23 Et le Foreign Direct Investment, en 2023, il peut atteindre 36 milliards, plus de 36 milliards. Donc, des, des chiffres euh, officiels publiés bientôt. Euh, je peux dire que par rapport à toutes ces incitations-là, aujourd'hui, euh, nous sommes capables de euh, capitaliser les opportunités c'est-à-dire un vecteur de croissance dans différents domaines pour amener plus d'emplois et aussi pour créer plus de valeur ajoutée. Nous trouvons, par exemple, au niveau de, du secteur public, donc le ministre mentionne, un projet d'envergure, que ce soit au niveau de social housing, de l'investissement dans la décongestion routière, dans l'hôpital. Donc tout ça pour amener à ce qu'il y ait plus de euh, prospects. Nous, au niveau de l'IDB, maintenant, nous faire de sorte à ce qu'il y ait plus de visibilité. Quand les ben, investisseurs nous sont faire de sorte à ce qu'ils soient capables d'investir plus facilement. Donc, euh, au niveau de la ben, réforme de ease of doing business, une ben, plateforme digitale pour permettre à ce que ben, entrepreneurs soient capables de transmettre ban permis électroniquement. Donc tout ça peut accélérer et aussi développer un ben, nouveau marché. Donc diversification, nous trouvons qu'au niveau de l'Europe, il y a quand même ben, différents challenges, récession. Et pour nous, c'est maintenant comment est ce nous fait pour nous capables de ben, nouveaux marchés. Donc que ce soit au niveau du Moyen-Orient, mais aussi au niveau euh, de ben, pays asiatiques. Euh, donc pour, pour, pour terminer, moi je dire qu'il est extrêmement euh, important pour nous que dans la philosophie du gouvernement, il y a aussi un pas de d'un plan d'implémentation euh, qu'il a et, et nous une, euh, nous peut faire de ce retard ce qui tout ça euh, met en œuvre et dans le sillage de ma consultation pré budgétaire le ministre des finances le ministère des finances fait une dévoile ma orientation du prochain budget éclame bout desmanson tout à la régie pour montrer nous les orientations du budget comment on peut trouver maintenir le dynamisme de croissance consolide la résilience économique et sociale de Maurice assure la diversification de l'économie, augmente les investissements, augmente les exportations dans le pays, modernise l'infrastructure, crée de l'emploi et qui a aussi promotion de l'inclusion sociale et que une orientation là le ministère des finances a une à travers un circulaire qui fait une fait outil qui finit adressé à un ministère à un département concerné qui peut soumettre ceux-ci de mémoire dans le cadre du budget 2024-2025, Docteur Jagannath, mm -hmm. quand vous parlez de cette orientation-là, vous trouvez dans le contexte cette orientation qui, pourquoi pas, relève l'économie mauricienne dans le contexte actuel Bien sûr. Euh, moi, ce que je peux dire, moi, je peux résumer, c'est euh, vraiment un un chiffre d'économie paradigme, paradigm, comme on dit, et moi, je peux terminer un peu comment, dans le secteur TIC, comme on dit, l'économie 5.0. Et ça peut être... Euh, on est trouvé récemment Singapour, l un pays développé, et déjà adopté. Pour la simple raison que ça c'est un qua non facteur pour le développement économique. Nous peut trouvé tu sais que les orientations que probablement le ministère a tirées c'est un peu, les prévient un peu à l'optique pour promouvoir plus, pour augmenter la croissance. Avec, euh, qu'on peut dire un peu, le secteur TIC, qui nous met un peu de la fintech, artificial intelligence, qui est presque, actuellement, presque 3% du PIB, indirectement. Donc, euh, là-dedans, on peut dire un, un peu la croissance, la diversification, on peut venir un peu comment euh, la, la smart economy, la digital economy, la knowledge economy, qui probablement, si nous promouvons ça, Uh, c'est ça un peu les nouvelles orientations qui nous cadenent uh, à l'économie. C'est-à-dire que ça, ça, ça c'est une un, un condition que n'est pas un secteur en lui-même. Li al across sectors, c'est-à-dire ça est capable d'appliquer dans le secteur de la construction, à le tourisme, à le secteur financier. Donc ça est capable amène une croissance. Donc c'est ça qui nous permet un peu la diversification. Ça les amène en cours nouvelle quelque que un peu créer l'emploi. Nous amène ben bah, l'emploi. Avec sa ben, ben, euh, emerging, comment dire, un emerging secteur-là, un côté nous capable de dire qu'il y en a beaucoup, quand on peut dire nous, parce que, que touristes, un certain nous capable de trouver même dans le secteur financier, il y en a pas mal de personnes qui une perdu euh, de travail d'une certaine façon. Mais quand nous a nous, nous, euh, l'avenir avec sa banne secteur-là, ce n'est secteur pas que ne perdu du travail, mais c'est plus à cause de je, euh, je expertise, probablement avec la nouvelle, la nouvelle dimension c'est ça un mismatch justement docteur Jagannath, quand nous pégat le rapport fmi lui souligne aussi sa mismatch là exactement donc où avec vous l'expérience comment on adresser ça? donc c'est ça que maintenant quand nous guettons malheureusement si nous guettons bien nous mal jeune quand nous trouvons presque à 30% de bans qui sont employés c'est mal jeune mais quand nous avons le marché, moi-même, un expert comptable, quand nous avons le secteur en général, nous trouvons qu'il y a pas mal de développement. Mais ce que le secteur peut rôder, nous avons dans le secteur bancaire aussi, que nous parlons, ce n'est pas exactement ce qu'il nous peut produire. Donc, c'est un peu ça le cas. Ce qui va arriver, c'est qu'il y a de nouveaux données. Par exemple, avant, le côté compliance, le côté KYC. avant, il y a de demandes pour banque personnel, il y a encore une en mais quand on ne peut de l'avant maintenant, ça c'est un secteur, on ne peut pas finir, prendre, qu'on appelle blockchain technologie. Donc probablement, ça secteur-là, dans certaines ben, fonctions, certaines ben, positions, probablement pour diminuer. Donc, ça va ben, une personne qui là dans là probablement, vous avez besoin d'apprendre de ben, nouvelles techniques, vous avez besoin de re ça. Parce que la est arrivé avec le blockchain, mais maintenant, il y a une ben, nouvelle position. Avec ça, un événement là, qui nous peut besoin. Par exemple, un secteur que nous avons besoin, nous faut besoin vraiment la formation, c'est probablement data analytics. Ça, n'est c'est un nouveau, euh, pas un secteur, c'est un nouveau euh, probablement un expert qui nous peut besoin pour être capable de changer de données avec ça. Les pareil que la banque maintenant, la banque est capable d'en avoir, avoir, avoir 1000 personnes, y avoir 1000 personnes, mais avec ça, mais un nouveau secteur un nouveau créneau là, probablement. La moitié pour besoin reskill. Donc moi mon pensée c'est ici, nous besoin guider cette secteur là à un niveau un peu plus bas au secteur l'éducation, au secteur training, au secteur vocationnel que au départ même nous avons un circuit scolaire en Singapour, dans le pays comme en avons déjà finalement implémente euh, AI à banque d'affaires metaverse au secteur secondaire probablement ce qui nous capable de continuer dans cette, dans, 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 dans cette tendance-là, c'est mettre ça ma, nouveau, euh, ma nouveauté-là dans nos circuit scolaire et ça est capable de monter. Donc ça c'est un. Et le deuxième, ce qui nous a guetté, ce euh, qui moi me pensais avec ce création lemploi là c'est aussi dans le secteur de PME. Le secteur PME, les, les, les presque emploi est presque 55% de nos working forces. Et là-dedans, nous sommes capables de dire presque 20% à 30% de ces banque SMU-là. C'est ban ban PME qui est formé, Et chaque année, je pense, qu'il y en a 600. que y a ban directeur, madame. Donc, ça nous inquiète un, un peu le côté démographique, si nous inquiétons un peu côté, surtout pour sa ban jeune-là et ces madame-là. Je pense que c'est ça l'orientation que probablement euh, le ministre peut faire référence. que un peu plus le côté ease of doing business? Si nous regardons la, 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 la dernière budget, nous se pas mal de mesures qui données pour ben Madame et Ban ben ben Tigrante, pour Madame-là, ben vers l'entrepreneuriat. Justement, Donc, on nous trouve aussi l'élan vers l'épanouissement économique de ben Madame qui est en cours. Euh, définitivement, c'est ça que nous getté. Et là, moi, je vais faire référence avec un rapport de l'Indian euh, Ocean Rim Association que tu nous montrais. Euh, c'est l'épanouissement de euh, ben Madame-là, c'est les pou, avec un... Ben, euh, euh, le côté de la productivité le côté de le training mais plus si nous regardez ce rapport là dans la région c'est plus vers l'entrepreneuriat et déjà nous trouver euh, à Maurice c'est déjà le cas donc c'est un peu euh, Dunbana une manière, ben, l opportunité maintenant parce qu'un peu démographiquement comme euh, vers une developing économie définitivement maintenant c'est ça, madame là les jouer un rôle plus important donc probablement c'est Dunbana un peu plus euh, de, de, de parce que sûr que les mesures qu'ils y prennent l'année dernière pour probablement être augmentées euh, pour ben, madame. Mais aussi, nous avons été ces bonnes plateformes euh, que euh, madame là je capable et dans sa bonne training là. Parce que si nous guettons bien euh, madame là, c'est un peu dans le secteur traditionnel. Donc, pour une certaine certaines skills qu'il faut faire. Et aussi, euh, quand nous regarde ce rapport là aussi, c'est un peu au, 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 au côté middle management si. Et là, nous avons fait un peu de référence que, euh, dans le euh, UN Report qui tu montrait que Maurice n'est pas le ben, premier dans l'Afrique en termes de business côté madame, mais aussi euh, que nous avons fait beaucoup de ben, progrès sur le côté même euh, le, le Parlement. Il n'arrive presque, presque 6 et 7 de représentation féminine. Donc c'est la direction que probablement le gouvernement pour continuer. Et l'Ipac Benidine, quand nous euh, écoute le ministre des Finances, nous avons on ben l'orientation, nous trouve que la création d'emplois c'est un élément clé, un poteau même de la stratégie. Et de l'autre côté, nous regarde sa reprise, développement de plusieurs secteurs, émergeant un nouveau secteur. Et quel lien vous faites entre la création de l'emploi et développement économique bon, C'est-à-dire création d'emplois, comme on va nous trouvé, a toujours le skill mismatch. Bon, maintenant, ça, pour le c'est un problème, comment tu dis? Au début, il faut faire ça, il faut libre, bien, parce qu'il n'est pas possible pour nous autres, nous avons tant de monde dans notre degré D'ailleurs, nous pouvons venir nous nous débit, nous une proposition, nous-mêmes, au niveau de instance du ministère de l'État, pour étudier ça. qui fait avoir un monde qualifié, il y a un degré il y a un master, mais ce n'est pas pour gagner travail. Il ne pas gagner travail dans le pays parce qu'il ne pas de dans ça direction côté dans le poste vacant, comme on dit. Donc, il est important, quand nous faisons une politique de, comment dire, nous disons, nous payons, nous traînons, nous mettons dans Youth Employment Program, etc., nous besoin de traînons, c'est un vrai training, d'ailleurs, ça nous met en là, là. Maintenant, on n'est pas capable de placer dans un département côté dans vacant, où on dit, travail travaille, travaille, batte, après des ans, tu retournes au moment, c'est du travail. Non. Pour bien traîner, pour qui... Après une autre période de formation qui nous veut dire là, vous employable. Ça, c'est une affaire extrêmement importante. Et je connais qui est le ministre du travail. À ces valeurs-là, le ministre du Finance nous fait comprend qu'il faut bien traîner des gens pour gagner du travail. Maintenant, nous avons même le Blue Economy. Je suis sous correction, camarade Ken, Blue Economy, c'est un nouveau secteur émergent. Je dis que nous avons la mer. C'est potentiel que nous avons.

et psy, etc., qui, qui, qui ne préconisait de sa plan-là. Il ne faudrait pas avoir un plan comme ça, pour dire les dit, il pour bien passer à l'action, pour qu'ils vraiment nous émerger. capable d'aimer. Et, 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 et là, justement, il n'y en a nul autre que le CEO de Idibu pour apporter une précision là-dessus. Donc, pour nous a un a le potentiel, l'économie océanique, et il a mm -hmm. aussi une sécurité alimentaire. qui efforts, dans ce sens-là. Effectivement, donc, euh, comme euh, M. Euh, Benidine, il y donc, euh, L'économie océanique a un gros potentiel pour nous. nous On a une zone économique exclusive de 2,3 millions de kilomètres carrés. Et déjà, dans le secteur traditionnel, incluant le coastal tourism, il y a pour environ 10,3% du PIB. Et dedans, nous avons aussi 2,8% qui c'est le seafood processing et l'aquaculture. Alors, nous avons un gros potentiel pour qu'elle explore beaucoup plus dans différents segments, euh, Deep Sea Water. Euh, aquaculture, nous avons différentes initiatives qui nous prennent par rapport à, par exemple, aujourd'hui, Marine Renewables, qui a un potentiel de croissance, et nous avons une étude au niveau de Marine Biotechnology, donc une compagnie qui déjà déjà investir dans un secteur porteur. Donc, nous pensons que ça, si nous avons un seul encadrement, les capables éventuellement ban un vecteur de croissance dans le futur. Mais aussi, euh, nous a dire que le gouvernement met en place le, ba, le secteur de biotechnologie, donc l'investissement, euh, une mesure incitatives qui nous donnait. Donc ça peut prendre les sauts aujourd'hui. Nous avons un investissement assez important, significatif, qui nous met dans le secteur justement pour un ben, contract research, pour faire des sorte à ce qu'il un euh, ben, essai clinique fait à Maurice. Ah, donc tout ça, une ben, perspective promoteur pour nous. Et dans l'agro-industrie évidemment, il y a aussi, comme euh, euh, donc disais, euh, ben, smart farming. Sheltered forming, une euh, ben technologie de pointe qui permet. Donc, tout ça pour permettre à ce qu'il nous capable de diversifier davantage. Et là, euh Et moi, je vais ajouter une affaire. Écoute, dans la même ligne, c'est que là, nous trouvons l'île Maurice avec un avion qui à Galéga. Donc, nous avons même le nouveau bateau, Pérosbanos, euh, Banos, si je me en faire. Donc, c'est qu'il y a un potentiel pour développer, qui a créé l'emploi et amène les touristes encore plus. Donc, il est important de faire une réforme au niveau de l'aéroport Parce que nous avons un airport bien moderne, mais nous avons le port, que les touristes pour aller, nous avons un encadrement. Donc, il y a une belle amélioration pour faire. Et nous pensons que si l'île Maurice investit dans ce secteur-là, il peut promettre pour les touristes de ne pas vivre dans Maurice, de dans Maurice, de ne pas dans Maurice, de ne etc. Donc, une facilité. Pour aller, donc, même Man Mauritien, même Man Mauritien qui peut-être pas poil euh, à l'extérieur dans l'Europe, vous êtes capable au moins de visiter Saman là Donc, mon pensée de tout cela, il faut créer l'emploi pour mauricien d'un côté, en même temps, il faut revenir à l'île Maurice. Et là, euh, dans l'émission, nous faisons une cause euh, secteur touristique qui est en pleine croissance. Il y a aussi secteur construction qui peut drive l'économie mauricienne en ce moment avec plusieurs chantiers. Et là, nous avons nous journalistes. Adrien Valler qui scène. ces deux secteurs- là, secteur tourisme et secteur construction qui mè de perspective cette année-ci, à nous get ce reportage après nous pour répondre une discussion. Croissance économique au prix marché pour l'année calendaire 2023 fin révisée à la hausse à 7,1% PIB. Et n'a a des secteurs qui en plein essor à Maurice et qui a grandement contribuer à développement économique nos pays, à savoir secteur tourisme et secteur construction. Secteur tourisme finit un second souffle. L'année dernière, Maurice finit accueillir presque 1,3 million de touristes qui finit une ben recette environ 85 milliards de roupies. un ben chiffre record, qui finit démontrer résilience, sa secteur, là, qui finit contribuer directement 9% PIB. D'après le ben dernier pronostic Maurice Patan environ 1,4 million de touristes pour 2024. Bonne nouvelle pour secteur du côté l'association, ban hôtelier et restaurateurs Maurice. On a quelques bons chiffres et nous comparons nous avec la dernière année de référence, c'est-à-dire l'année calendaire 2019, encore qui est une stakeholders extrêmement satisfaits du taux de recouvrement et la vitesse à laquelle nous nous retrouvons à un niveau qui est très très proche euh, de la situation euh, pré-Covid. Donc euh, l'année 2023, une, une très belle année, nous, nous terminons avec un petit peu moins est 1,3 million de touristes, le taux de recouvrement ou à peu près 94%, et ce qui est excellent. Et donc, en termes de volume de nuité, euh, très bien aussi. nous Le recouvrons, de est presque 100%, hein, 94,4% pour être plus précis. La France principale, marché tourisme, Maurice, pour la rime, enban défi à relever en 2024 pour les Jeux Olympiques à Paris. En 2024, il y a quand même un challenge. Ce sont les Jeux Olympiques de, de Paris. Cette année, ça se passe à Paris. C'est un peu particulier parce que c'est le principal marché. Il y a également une impact euh, positif parce que pendant cette année, du monde qui vous quitte Paris à ces dates-là. Donc ça, malheureusement, on n'est pas capable de euh, trop anticiper ni estimer quelle est l'ampleur de, de ces différents impacts. Victoria Urban Terminal, qui finit coûte environ 1,9 milliard roupies, Terminal de croisière pour lui, à Salines ou encore construction 8000 logements sociaux. Construction, un ban sectaire qui finit faire grand bien à l'économie. C'est un secteur qui emploie directement 60 à 70 000 employés. Et tout avec sa propre projet du logement social, qui donne 8000 maisons à construire, ça vraiment les finit une grande partie de la construction, donc tous les contractés, tous les consultants sont, sont uh, engagés hein, de tout dévouer, hein, cette carrière remplie. Et la construction, ces dernières années, fait contribuer environ 6% du produit intérieur brut, oui, donc uh, c'est une très bonne signe uh, que la construction va mieux Déjà, il y a beaucoup de projets en chantier et il y a beaucoup de projets qui, qui peuvent hein, venir en 2024. Avec un taux de croissance environ 28% en 2023 contre 1,3% en 2022, construction en expansion. Dans le budget de l'année dernière même, le gouvernement a fini de montrer dans projection pour 25-26. Une somme colossale qui va investir dans l'infrastructure à Morbi. Donc, vous pensez, ça peut encore hein, donner plus de dynamisme pour la construction et ça peut durer quelques années. Construction Industry Development Board annonce un bon pronostic pour 2024. C'est tout à l'approche budget 2024-2025 qui pourrait venir avec des ben, autres projets favorables à développement nous pays. Et là après sa dernière vidéo là, la régie spéciale moi qui l'émission tire à sa fin et que peut-être nous pouvons faire un dernier tour de table. Nous commençons par le Dr Bavish Jagranath. Donc, Nous finissons le contexte économique dans lequel le budget euh, peut présenter. Ou pour nous terminer l'émission, euh, quels sont les défis, ben, les opportunités, les ben, perspectives que vous pouvez trouver pour l'économie mauricienne bon, Le côté secteur émergent, nous disons la digitalisation, le blue economy. Mais moi, je pense dans une perspective maintenant, en 2024, avec, le, avec ce budget-là, je pense deux euh, facteurs défis qui sont très importants, c'est le changement climatique, comme on nous, nous, nous témoigne un peu euh, ce qui est arrivé euh, les, les, les derniers mois. Donc, je euh, moi, pense là-dedans, c'est une bonne infrastructure, définitivement, je pense pour une un euh, gros investissement qui nous coûte besoin sur le public infrastructure. Et si nous gênes bien économiquement parlant, euh, que nous gênes cette bonne infrastructure publique-là et avec ce changement climatique-là, un rapport euh, de euh, United nation il montrait que ça les les après 20% de l'économie close, donc euh, il y a ces noms Donc moi, moi pense euh, que là c'est nous attendons que les euh, infrastructures publiques euh, pour besoin et de massive investment là-dedans pour revoir un peu euh, sur le changement climatique. Deuxième, c'est euh, le défi, c'est le vieillissement de la population. Comme on nous connaît, nous y a presque euh, 214 000 personnes qui ont euh, le euh, basic retirement scheme. Et leur, là, nous avons, euh, ça a pu augmenté. Donc, pratiquement, nous trouvons dans le dernier rapport euh, de euh, Nations Unies, presque euh, 2 000 30, 2035 nous arrivons à un vieillissement de la population d'environ 45%. Donc ici, c'est un challenge très énorme pour nous. Euh, c'est ça que euh, premier, il vient un peu à euh, main-d'oeuvre, euh, le main d'œuvre. Alors ici, c'est ça qui nous trouvait que euh, pas mal euh, de, de, de nouveaux secteurs euh, ben, émergents qui nous peuvent faire maintenant et si nous ne nous pas un peu... L'avenir un peu de ce secteur démocratique-là, ce qui nous permettait maintenant, probablement, de ne pas prendre le workforce nécessaire pour dans ce secteur-là. Donc, ça, c'est un grand défi. Et troisième et dernier, je dire, c'est sur le côté de nos jeunes, c'est aussi de ne pas aller vers l'économie moderne, l'économie 5.0. Quoi nous dire, le défi, c'est le mismatch. Donc, c'est maintenant à un niveau, nous avons besoin de le mismatch d'une certaine façon, que, que nous, avons jeunes, évoluer et de choisir le bon filia que je aller. C'est-à-dire que nous avons trouver, il y en a beaucoup, comme on appelle ça, des chômeurs de, 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 de professionnels. Mais malheureusement, euh, au début même, nous ne peut pas choisir le filière qui Donc, pour, est bizarre. Donc, probablement, c'est un message aussi, c'est probablement, ça jeunes là pour besoin d'un encadrement. Euh, au niveau du gouvernement, qui est capable d'amener sa banche-là, réfléchir un peu avant de commencer une carrière de qui une filière qui qui peut venir dans les prochains dix ans, que de cas un là-dedans. Sinon, nous pourrons retrouver avec sa situation que nous avons trouvée, nous avons besoin de main-d'œuvre étrangère. Donc, euh, c'est ça trois défis qui me pu dire très, très importants euh, pour le futur de Maurice. Merci, Dr. Bavich Djogarnet, euh, économiste. C'est que la moto tourne vers Dipak Benedine à haut niveau, euh, qui a des défis, de l'opportunité. Quelles perspective ou peut trouver pour l'économie mauricienne Oui, c'est-à-dire les banques et moi déjà, mon premier proposition qui nous fait au niveau de la fédération, au gouvernement, nous, nous, dit, nous dire qu'il y a que ça, flooding qui nous gagne dernièrement là, c'est-à-dire l'île Maurice y en danger. donc nous besoin pas seulement un, un master plan, nous un action plan, besoin capable traite de traiter ce problème de inondation qui entier Maurice peut arriver. D'ailleurs, c'est un petit peu pensé c'est une spécificité critique pour lui, il n'y a pas de disposition pour lui, mais le temps où on guette ça, ce qui peut arriver, entier fait, Maurice, même l'eau montagne, tout, dès l'eau peut arriver, donc dès l'eau peut descendre. donc nous, nous, nous donnons un danger potentiel, et pour bien, même au niveau international, gêter, qui peut donner, pour bien être capable de passer à l'action. Ce n'est pas possible, aujourd'hui vous dis, pour banquer la rivière. Vous connaissez la rivière, moi, je connais comme un petit enfant, on nous a déjà dit ça, et dans la rivière, quand nous sommes à la nazer, tout ça. là. Ça va en arriver là, pratiquement, man, la case va ranger dans bon, la rivière, la rivière elle est rétrécie. Donc, pour bien régrandir, ça va arriver là. Donc, il y a un master plan, il y a un grand, grand travail, il faut bien faire, il faut bien retourner du monde, tiers miracles, mettre bambou, c'est une proposition qu'il nous faisons. Maintenant, l'État nous cause, le, nous avons un problème de human capital. Le camarade économiste, il faut une cause dans la direction là-même. Donc, si nous ne faisons pas fait attention, nous pourrions arriver pour comme en Venezuela, le sud de l'Amérique, que tout ce qui est en train de travailler à l'étranger, et dans le il y a des gens qui ont dans la pauvreté extrême. Ça, c'est une situation qui capable qui, arrive à maurice si nous ne prenons pas précaution. Donc, nous avons besoin d'encourager Banzan, qui a des enfants. Donc, nous avons besoin, je connais que le gouvernement ne fait pas. Il donne trois ans, il doit donner deux mille mais pour Banzan, il y a il ans, il euros, beaucoup plus. Parce que Ndjimun, Nkoup, c'est tout ce nous avons dans nucléaire famille. Avant, de y des enfants, il pensait combien il faut dépenser ces enfants-là pour les soutenir. Parce Monsieur, Madame Pierre Travail, qu'aux enfants restent. Il y a une série de dépenses, donc nous que ça à la d'augmenter pour capable encore à 25, enfants. Maintenant, nous avons aussi, nous connais que le gouvernement paye augmente salaire, mais augmente salaire n'est pas Augmenter Augmente salaire, c'est qu'on va dans la boutique, on va vite tout casse. Donc, y a un contrôle de prix rigoureux qui nous félicite euh, la ministre qui, qui commence de faire le terrain, mais pour a un contrôle de prix un price markup pour qu'ils demeurent capables de gagner ce casse, d'être capables à la fin du mois de les acheter ration, mais en même temps de mettre une casse de côté pour les guette l'avenir s'ils malade malades, etc. Les et nous aussi nous demandons beaucoup de mettre l'eau ça va une maladie qui péronse la société diabète et cancer cancer après diabète nous connaissons le diabète nous premiers. le cancer nous connaissons ça veut dire troisième maladie qui peut être le c'est le cancer nous connaissons que le gouvernement on commence avec des enfants et la injection pour cancer pour les ma enfants, mais nous nous peut dire, l'ibisain vient une mandatory que les gens monde dépasse 30-40 ans comme dans les autres pays, l'ibisain fait une injection anti-cancer ou ça l'ibisain fait une détection, un dépistage. Une dépistage, le cancer. Donc pour nous capables, guérir, mourir c'est qu'un avenir immédiat Donc moi je trouve nous avons un avenir prospère, mais en même temps nous besoin tout le monde besoin de mourir piqué. On ne pas la couleur politique, ce n'est pas Nous connaissons des politiciens de tout beau. Nous avons man l'intelligence, mais ce que nous fait, c'est que nous dans l'opposition, gouvernement critiquons le virer nous virons tous nos mêmes affaires. Donc, nous pensons que tout le monde mettre la tête. Il Maurice 80 l'avenir un beaucoup plus meilleur. En même temps, je souhaite l'occasion ce soir pour dire à tous mes camarades pèlerins qui peuvent faire pèlerinage, grand bassin. et happy Mars et Donc, je termine, mes camarades. Merci, Dipak Pénédine, syndicaliste. Et mot moi avec Ken euh, pour le dernier mot de la fin. Donc, Ken et avec le contexte actuel, qui défie euh, l'opportunité, perspective, où peut trouver à haut niveau Ce qui nous a remarqué, c'est que dans le monde, euh, il, y a, il y a beaucoup de facteurs qui caractérisent un peu l'évolution. Il y a beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitude, beaucoup de complexité et d'adversité. Donc, ces quatre euh, phénomènes-là aujourd'hui font que la ben réponse que le ben gouvernement vous amener, c'est plus de pragmatisme, mais aussi de ben, la euh, ben politique, de ben, la ben stratégie qui est ciblée pour a pas, euh, faire face à tous ces ben défis-là. Et en même temps, nous cause euh, l'évolution qui peut arriver au niveau des ben, prix à l'étranger, la guerre qui a un impact sur la supply chain au niveau de l'approvisionnement mais aussi l'Organouban de marché euh, prioritaire en Europe euh, principalement. Donc tout ça, c'est un défi majeur. Et aussi, moi, pour rejoindre mon collègue, pour dire qu'au niveau local, donc on a un gros défi, c'est manque de main-d'oeuvre. Et le manque de main d'œuvre aujourd'hui, il est chronique. Il n'y pas un insectes spécifiques, il y a un peu partout. Euh, et c'est important qu'il nous a qu'à Parce que sans la main-d'oeuvre, nous pas de croissance économique. Il est extrêmement important que... Euh, nous connaissons a beaucoup de gens qui ont émigré de Maurice, mais ce qui est important pour nous, c'est qui réponse nous donner à ça, quelle ouverture nous amener pour qu'ils soient capables de faire en sorte que l'entreprise et les moyens et na une main-d'œuvre qualifiée euh, qui est appropriée pour être capable de continuer à accroître la production. Et aussi, un dernier point qui me tient envie de dire, c'est le changement climatique qui est un facteur majeur et la réponse pour nous, c'est que dans tous les ben, différents secteurs, c'est la transition. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ben, entreprise pour être très compétitive, pour être très résiliente et faire face à un ben, changement climatique, quelles stratégies mettre en place pour être capable d'appuyer euh, pour avoir plus de carbon neutral euh, footprint? Hein? Donc, nous, nous trouvons ça dans les secteurs manufacturiers, le carbon neutral industrial strategy, qui peut prendre beaucoup d'essor, nous, au niveau de l'IDB, nous trouvons quand même une mobilisation d'environ 30 milliards de roupies euh, d'investissement dans le secteur à l'horizon 5 ans. Donc, année, cette année, nous trouvons environ 8 milliards. Donc, tout ça, ce projet-là, nous faut en chantier pour nous capables à faire face et apporter plus de résilience, plus de compétitivité. C'est ça, cette mesure-là, c'est ça, stratégie-là qui peut permettre à nos entreprises de croître et permettre à ce qu'il y ait plus de résilience. Chers invités, Ken Poulousami, Deepak Benedine et Dr. Bavish Jagannath, merci pour cette présence à la MBC ce soir. Merci. merci. Chers téléspectateurs, voilà, l'émission prend fin ici. Nous y discutons l'économie mauricienne reprise avec l'opportunité. Merci pour l'attention. On se retrouve -vous une prochaine fois pour une autre édition de Focus. Merci.